Ça fait beaucoup parler, hein, ce bras de fer entre Christian Dubé et la FMOQ sur cette prime annuelle de 120 versée pour chaque patient orphelin inscrit à un GMF par l'entremise du GAP. Alors, fini la prime à partir du 31 mai. Euh, C'est le premier thème pour nos analystes ce soir. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. On a entendu l'ex-ministre de la Santé, Yves Bolduc, avec Julie cet après-midi. Écoutez bien. bien. Je pense que ça va être une catastrophe. Parce qu'à partir du 1er juin, si on n'a pas d'entente, tous les patients qui n'ont pas de médecin de famille vont devoir abandonner le, le principe du GAP parce qu'il n'y aura pas de docteur pour les voir. Bon, plus le président de la FMOQ qui dit que le quart des médecins de famille ont plus de 60 ans, qui vont partir à la retraite. Est-ce que vous partagez leurs inquiétudes, Paul? Euh, on a eu un long débat à la joute tout à l'heure. Et puis, ouais. <coughs> on voit l'ancien ministre de la Santé, Yves Bolduc, redevenu médecin omni. Euh, et Gaétan Barrette était à la joute également. Lui qui a aussi qui a été ministre de la Santé, mais qui a aussi mm -hmm. négocié des ententes pour mm -hmm. les médecins. Appuyer inconditionnellement le, le ministre de la Santé dans, ouais. dans ce bras de fer. Parce qu'il faut rappeler ce dont il est question ici. C'est une prime de 120 dollars par année pour les, les médecins de prendre en charge des, des, des patients qui n'avaient pas de médecin. Inscrire. C'est toute la ça. nuance. Mais, mais c'est ça. Prendre <laughs> en charge. Et Là, Ce qu'on apprend, c'est qu'ils ont, dans certains cas, ils ont touché le 120 mais n'ont jamais vu le patient. Ce qu'on entend, on verra si ça se confirme, mais il n'y aurait pas loin de la moitié des 900 000 Québécois et Québécoises qui ont été pris en charge, qui ne sont pas parvenus à avoir un seul rendez-vous avec le médecin qui a reçu la prime de 120 Je ne sais pas si ça est exact, mais ça dénote qu'il y a un problème de fond majeur dans le mode de rémunération des médecins. Oui. Mais l'autre problème, c'est qu'on n'a pas toutes les données. En main, Emmanuel. C'est ce que j'en comprends. Là. Non, puis je pense que c'est la raison pour laquelle le M. Monsieur, euh, Dubé a comme envoyé cet électrochoc en disant écoutez, l'enveloppe est épuisée, l'entente vient échéance. Stop. Il n'y a plus rien qu'on conduit d'ici à ce qu'on renégocie une, une entente générale. L'avantage pour lui, c'est que d'ici là, son fameux projet de loi 11 sur les données, mm -hmm. le fameux règlement qu'il a mis en œuvre, va être entré en vigueur et le lui va pouvoir avoir les données. Mm -hmm. Parce que le problème que le ministère de la Santé depuis le début, c'est comme il n'a pas des données claires, il est toujours otage des données que lui donnent les omnipraticiens. Puis là, le gouvernement dit, <laughs> cette fois-ci, moi, je vais me faire une tête et là, on évaluera. Ceci étant dit, Sophie, là, en bout de ligne, là, on est encore en train de parler de négo, de convention, de données, de je ne sais pas quoi, de primes. Puis qui est pris dans le milieu de ça c'est le patient. Il oui. est le seul, finalement, dans ce réseau-là qui n'a jamais de primes mm -hmm. mm -hmm. jamais de bonus. Hein? Oui, parce que je sais qu'il y en a des primes, hein, Mario? Ça s'appelle la prime de la jaquette, ouais. hein? Et Pour le patient, il y a surtout des déprimes, en effet, oui. Ouais, parce que moi, dans le fond, aujourd'hui, sincèrement, c'est surtout ouais. ce que j'ai vu. C'est une nouvelle négociation mm -hmm. que les... L'entente finit le 31 mai, il n'y a plus d'argent dans l'enveloppe. Mais dans le fond, qu'est-ce qu qui se passe? C'est que les médecins euh, repartent une négociation en vue d'obtenir une nouvelle prime. C'est un peu de la faute des gouvernements. En fait, on ne sait plus quoi penser, parce que là, on a, on a habitué le, le, à fonctionner comme ça. Mm. Chaque fois qu'on on veut que les médecins fassent un peu plus de ceci, une ouais. prime. Une entente spéciale, une prime. On veut que les médecins fassent un peu plus de cela, une entente spéciale, une prime. Euh, je ne sais pas jusqu'où on va. On dit un jour il faudra revoir complètement la façon de rémunérer les médecins. C'est ce ouais. qu'avait promis d'ailleurs la CAC dans sa mm -hmm. campagne de 2018. Mm -hmm. Mais c'est. Moi, je partage totalement le sentiment d'Emmanuel. Présentement, mm -hmm. pour le patient qui regarde ça, tu te dis Ok, au-dessus de nos têtes, ça négocie les millions. Mm -hmm. Mais entre-temps, c'est très que difficile de bon, voir hein. un médecin. Ouais. Euh, on n'en a pas pour notre argent. On paye des impôts élevés. Puis la moitié mm -hmm. est censée aller à la santé. On n'en a pas pour notre argent. Ouais. Et ça devient vraiment frustrant pour la population. Passons des primes aux, aux médecins. Au prix de l'essence, on a atteint un sommet en deux ans dans l'Est du Canada pour une énième fois. Le prix grimpe, on hurle à l'abus, les pétrolières nous sortent toutes sortes de justifications. La dernière très créative pour bien du monde qui connaissent on prenait pas trop l'essence d'été. On en apprend tous les jours, vraiment. Magnifique, hein? Oui. Non, c'est ça, on, on raffine notre raisonnement euh, parce qu'il paraît-il <laughs> que l'essence d'été, euh, les coûte plus cher parce qu'elle est davantage, ouais. il y a un traitement euh, ouais, particulier. Bitane, ouais. Il y a hum. évidemment, euh, objectivement, il faut mettre dans l'équation la situation au Proche-Orient, une sorte hum. d'incertitude, mais l'équation ne fonctionne pas. Là. À l'heure actuelle, le prix du brut versus l'augmentation en flèche aujourd'hui, il n'est pas justifié. Euh, au plan de la simple arithmétique, ça ne, ça ne fonctionne pas. Pas, ce, qui, ce qui nous ramène à, à notre état de dépendance pour ceux qui ont encore des, des, des véhicules à moteur à combustion euh, dépendants, euh, encore une fois, des, des pétrolières et des fluctuations. Et cette fois-ci, on dit que ce n'est pas les détaillants qui s'en mettent plein les poches. Mmh. Le PQ qui réclame une enquête là, pour casser le cartel du pétrole, imposer des, des pénalités financières aux pétrolières pour la fixation des prix du croissant, Emmanuel? Bien, le problème, c'est que le Québec, comme marché, je crois, n'a pas le, le pouvoir de faire ça. Euh, je veux dire, on fait partie d'un marché continental nord-américain. Est-ce qu'on est capable de vraiment nous légiférer des règles qui s'appliqueraient à l'ensemble, qui s'appliqueraient juste au Québec, à l'ensemble du pays? Je ne suis pas certaine que ce soit euh, créatif. Et moi, quand je vois le pétrole, le gaz à presque 2 piastres le, le litre, je me dis, hey, mon dieu, si on avait des transports en commun, ouais. des trains rapides et tout ça qui avait de l'allure. Qu'est-ce que ce serait bien. Ouais. C'est beau oui. de rêver quand même. Ou des véhicules électriques. Euh, ouais, oui, c'est une solution. Euh, Mario, j'ai hâte de t'entendre sur cette histoire d'hypothèque islamique dont on va parler après la pause mesure du budget Freeland. Il est placé sous les, les projecteurs. On en discute. Au retour.